très chers amis, les signes du Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Voilà, pour les abonnés, j'ai seulement fait un pont entre juin et août. Voilà, je n'ai pas fait donc vidéo personnalisée pour ce signe-là. Et voilà, donc là, je propose simplement le tirage général pour ce signe et ascendant Verseau et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce signe pour le mois d'août. Voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui peuvent parler à certains d'entre vous, d'autres pas, d'autres moins. Il est possible aussi que quand je montre les cartes, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des choses inspirées que je n'énumère pas, comme il peut y avoir aussi des choses que j'énumère qui ne vous parlent pas non plus. Donc en fait, je vous invite simplement au discernement et à votre écoute aussi intuitive. Parce que tout le monde a cette capacité, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on y va pour le mois d'août avec l'oracle G. Et je demande à ce que les énergies nous accompagnent pour ce tirage. Alors déjà je vais faire une coupe pour voir l'énergie, l'ambiance. Ambiance, ambiance. Oh. Bon, il y en a une qui est tombée. En plus, elle est tombée à l'envers. Hey! Oh! Hein? Bon, on en a deux, trois qui sont tombés là. Bon, je les montre. Meuf est sexy toute seule. Oh, il y en a trois qui sont tombés. Merci quand même. Bah oui. Il y en a trois qui sont tombés ici. L'exclamation de changer ses pensées parasites. Hein. Là, le message est vraiment très fort et très clair. Pour certains d'entre vous, je pense que ici, il est question quoi? De cesser le parasitage mental, de cesser soit vous d'être dans une situation parasite à vous lamenter ou à vous blâmer ou à condamner autrui. Il peut y avoir aussi ça. Les trois sont tombés du paquet, hein, j'avais pas encore. Et quand même, avec l'exclamation, je pense que c'est un message qui est important pour beaucoup d'entre vous. Je pense que au niveau du psychisme, je sais que les signes du Verseau, ben, vous êtes un signe d'air, donc vous avez la faculté psychique très très développée pour certains d'entre vous, plus que d'autres. En fait, ça va dépendre en fonction du karma, du chemin parcouru de chacun d'entre vous. Pour certains, il est question d'être vigilant à vos pensées. Parce que là, il y a du parasitage. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous vis-à-vis de vous-même, soit c'est des personnes de votre entourage vis-à-vis de vous, soit c'est vous vis-à-vis des autres. Ça peut être un peu un mélange des trois aussi. En tout cas, il y a les trois qui sont sortis direct. Alright. Alors, je vais prendre note. Check. Ok, alors on va voir quelles sont les aides, les appuis concernant. Ça fait un peu contre-jour. Hein. Bon, tant que vous voyez les cartes, on va voir. Quelles sont les aides et les appuis, s'il vous plaît, et les signes. Ok, alors ici on a la lune. La lune, elle est renversée ici. Donc en fait, ça me parle de quoi? Ça me parle de la capacité intuitive. En fait, ça me parle de le fait qu'elle soit renversée. Ça me parle d'exprimer votre intuition. Ça veut dire d'exprimer votre soleil intérieur. Ça me parle de ça, en fait. D'exprimer votre... Et c'est aussi ce qui vous appuie, c'est-à-dire que, en fait, vous êtes conscient de vos peurs et vous savez en faire autre chose. La lune renversée, ça vient aussi m'indiquer que... La lune, c'est quoi? Ça me parle d'intuition, mais ça me parle aussi de l'imaginaire.
cette capacité de partir dans les pensées, ce tumulte de pensées. Le fait que la lune soit renversée, et ce qui est un appui et ce qui vous aide, c'est cesser en fait d'imaginer un peu tout et n'importe quoi. Le fait que la lune soit renversée. En fait, ça me fait un lien avec les trois premières cartes qui sont sorties, avec la pensée, le psychisme et le rat parasite et l'exclamation. Et ce qui vous appuie, c'est de tempérer l'imagination un peu trop. Je pense que pour certains, vous tombez peut-être dans l'illusion ou un peu dans la folie, quoi. Alors, je sais pas, il y a entre le rêve et la réalité. Il y a un moment donné, il y a un seuil. Et je pense que pour certains, ce qui va vous aider, c'est de garder les pieds sur terre. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne pas être à l'écoute de son intuition, ça veut dire de garder les pieds sur terre. C'est ça qui, c'est le message que ça me dit maintenant. Alors, ce qui est de bonne augure pour vous, pour ce mois d'août, pour les signes du Verseau, s'il vous plaît. Ok. La fin d'un cycle avec le 9. Et le petit escargot, ben c'est quelqu'un, c'est un petit être de la nature qui avance à son rythme, qui avance lentement, mais sûrement, avec sa carapace et sa coquille sur le dos. Alors, c'est ce qui est favorable ou non, cette carte. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui avancent trop lentement, ou pour certains, il y en a qui vont peut-être trop vite. Ça me parle de deux choses. Alors, parce que on peut le prendre de deux manières, cette carte-ci. Ça me parle de la fin d'un cycle. Et ici, il est temps, avec l'énergie du 9, bah ouais, il est plus que temps, je pense, de boucler un cycle, là. Un schéma ou un comportement. Vous voyez ce qui vous parle, peut-être que pour certains, il y en a qui ont des peurs présentes, ou un besoin de contrôler, ou un besoin de... de trimballer le fardeau des autres. On peut parler de ça aussi, hein. C'est la fin. À un moment donné, on abandonne la responsabilité des autres et on prend la sienne. Point. Rien que ça, c'est déjà énorme. Pour certains, ça peut aussi parler de ceux qui ont les capacités, qui sont suffisamment autonomes et responsables, de porter... Ah, c'est un peu lourd ce que je vais dire. J'allais dire le poids du monde, mais c'est très ça paraît très prétentieux. Ce que je veux dire par là, c'est ça me parle de quoi? D'accepter la souffrance aussi dans le monde, d'accord? Ça me parle de ça aussi. On accepte difficilement ben ce que l'on voit comme injuste, ce que l'on voit comme disharmonieux. Et ici, on avance lentement et sûrement avec cette coquille sur le dos qui nous parle de notre histoire, qui nous parle aussi de notre capacité et de notre force que l'on a pu acquérir, intégrer pour avoir et du discernement et de la volonté d'amour dans notre cœur pour pouvoir être présent à soi et au monde. On parle de ça. Qui est favorable ou non. Donc vous voyez ce qui vous parle. Peut-être que pour certains, il y a des choses qui sont difficiles d'abandonner des schémas anciens et donc vous trimballez encore des sacs derrière votre dos, un peu comme des boulets à traîner aux chevilles. Ça peut parler de ça. Donc ce qui serait non favorable. Et ce qui est favorable, c'est d'avancer malgré tout avec cette histoire, avec des souvenirs ou des mémoires du passé. Avec cette rationalisation et cette capacité d'orienter vos pensées de façon constructive et aller de l'avant. Voilà de quoi ça me parle. Alors,
On va demander quelle est la surprise ou l'événement pour... Ah bah, l'événement pour le mois d'août, on a le cadeau ici, la surprise. Donc ici, on a le présent. Il me parle de quoi? Il me parle d'une bonne augure, de quelque chose qui peut se présenter pour vous pour le mois d'août. Ça peut être pour certains un cadeau qui vous est remis. Mais ça peut être un cadeau symbolique, ça peut être quelque chose que vous vous offrez. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Parce que vous vous êtes suffisamment aimé, suffisamment respecté, que vous vous êtes fait confiance à agir dans le sens de l'élan de votre cœur créateur et de votre esprit intelligent, de pouvoir brancher les deux ensemble, bah vous êtes récompensé. Ça me parle de quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un événement ou quelque chose peut-être à quoi vous peut-être vous attendiez ou un projet ou quelque chose, je sais pas. Voyez ce qui vous parle, en tout cas à la fin du mois d'août, on sera plus objectif sur ce cadeau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme surprise à la fin du mois? Bah, je vous invite à être attentif au déroulé du mois d'août et voir qu'est-ce qui, à la fin du mois, pour vous, a été une surprise, un cadeau. Parce qu'une surprise, c'est pas forcément un truc comme ça qui arrive de manière matérielle. Ça peut être aussi une prise de conscience, ça peut être un échange, ça peut être un enrichissement qui vous apporte un cadeau tellement riche pour votre vie et votre épanouissement personnel. Pour moi, le présent, c'est d'accueillir avec gratitude et reconnaissance tous les cadeaux de tous les événements, toutes les rencontres et les échanges que vous avez pu vivre avec toutes les personnes de votre vie qui vous enseignent de belles leçons qui vous font grandir vers le meilleur de vous-même. Alors, on va voir avec... S'il peut y avoir un frein. S'il y a un frein, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah, on a la pensée qui est ressortie. Ce qui peut bloquer à cette situation de rationalisation, c'est votre psychisme. Alors, chers amis, vous avez autant ces facultés d'avoir une capacité de réfléchir, d'avoir de la lucidité sur des choses, sur des événements. Et en même temps, c'est un peu ce qui peut vous faire défaut. Donc, je pense que le mental, il faut le calmer, les amis. Ok? Revenez au corps. Revenez à là, sur terre. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez faire des activités qui vous permettent d'être dans l'ancrage, du sport, même aller courir, manger. Manger sain, équilibré, ça aussi c'est un bon moyen d'être dans le corps, dans l'ancrage, en respectant évidemment votre corps. Voilà, la nourriture c'est ce qui vous permet aussi d'être ancré. En faisant quelque chose de physique, de matériel, ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être je sais pas, n'importe quelle activité, du dessin, de la peinture, du tricot, je sais pas moi, des bijoux, je sais pas, du tissage, enfin, ça, vous m'avez compris, tout ce qui va être source de créativité, mais qui vous permet d'être dans un moment méditatif, rationnel en fait, d'être dans le moment présent. C'est ça qui va vous aider à calmer le psychisme qui est peut-être trop... à faire un petit moulin là-haut. Donc c'est ce qui vous bloque. On a l'énergie du 14 qui nous parle de tempérance. Ça ne veut pas dire que le psychisme est quelque chose de néfaste, ça veut dire que parfois il entrave à l'écoute profonde de votre cœur véritable. Donc quand vous pensez tout croire, tout savoir avec vos pensées, vous vous éloignez de la vérité, celle du cœur. Celle qui est à l'intérieur de vous quand vous balayez vos croyances et vos certitudes. Et ça, c'est un bon challenge pour vous pour ce mois d'août. En tout cas, c'est l'invitation.
chacun responsable de... Alors, qu'est-ce qui peut aider à débloquer cette situation concernant le mental, le psychisme? La respiration, si je suis en train de penser, ça aide bien à faire des respirations ventrales. Vous savez, vous faites gonfler d'abord le ventre, garder un petit peu, quelques secondes, sans se crisper, hein, en étant toujours, essayer d'être le plus détendu possible. Gardez quelques secondes et vous relâchez en recommençant par le ventre. Et ça remonte par le diaphragme et vous expulsez en fait l'air des poumons comme ça, dans cet ordre-là. Vous pouvez le faire 3 fois, 5 fois. Rien que ça, ça peut calmer en fait le mental. Moi qui ai tendance à être aussi, et comme beaucoup d'entre nous je pense, dans le mental, c'est des exercices qui m'aident personnellement beaucoup. Donc je vous invite, je vous partage simplement moi un peu de mon... de mes exercices à moi. De mes recettes. Mais voilà, après, voyez ce qui vous parle, en effet. Alors, ce qui peut débloquer le problème, bah ici, c'est quoi? On a la présence d'un petit garçon. Ça me parle de simplicité, ça me parle de mettre plus de joie, de lâcher prise sur le contrôle, de lâcher prise sur... c'est ça, cette pensée dominante de l'adulte qui croit tout gérer, tout contrôler, avoir raison tout sur tout, et croire tout savoir. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il vit le moment présent. Il lâche prise sur tout ce qu'il croit savoir avec certitude, ok? Il accueille avec un peu plus de légèreté et d'innocence ce que l'esprit veut lui transmettre. Parce que quand le mental est trop agité, le divin là-haut, il vous informe de vous, de plein de messages qui aimeraient être réceptionnés dans votre temple. Mais si ce temple est trop occupé par le psychisme, bah, il n'accueille pas ce qui arrive. Donc pour certains d'entre vous, l'invitation c'est de vous défaire du contrôle en quelque sorte, d'accueillir plus de légèreté, l'enfant intérieur, l'innocence. L'invitation à l'innocence. Alors je sais bien qu'à nos âges, l'innocence c'est quelque chose qui nous parle. De quoi ça me parle? De purifier en fait son ego, de purifier les blessures de son cœur, les mémoires du passé, les croyances et les peurs de l'avenir. Ici c'est ça qui va vous débloquer de ce psychisme. L'innocence, c'est votre plus grande force. Si vous arrivez à redevenir ce petit enfant, alors vous êtes connecté à Dieu et au divin, à l'Esprit Saint. Si vous contrôlez tout par le prétendu savoir mental et la connaissance, vous vous éloignez de la vérité. Plus vous êtes sûr de quelque chose, moins vous le savez. En tout cas, c'est l'invitation. Quelle est l'énergie du consultant, du... En bas, ben, on a le parasite au milieu. On a encore le rat qui est sorti. Donc là, voilà, l'invitation, c'est cesser le parasitisme, psychisme. Je pense qu'il y a des toxicités qui sont présentes dans vos champs énergétiques, dans vos pensées, mais aussi peut-être des situations qui vous parasite l'esprit en fait, qui vous empêche de vous relier. Alors je sais pas ce que... Ça me parle d'une énergie de colère, d'une énergie de rancœur, d'une énergie de... Du mal à lâcher prise, du mal à abandonner quelque chose, une situation. Et pourtant, il y a un cadeau, une opportunité qui se présente pour vous. Alors là, pour ce mois d'août, je pense que pour certains, c'est puissant, hein, c'est costaud. Il y a un truc qui se joue pour vous qui est important. Soit vous allez prendre compte et prendre conscience de vos schémas comme ça,
Et c'est ce qui va vous permettre d'en recueillir le cadeau du moment présent en ayant conscience et en étant beaucoup plus lucide de vos mécanismes et de vous détacher de formes de peur parasite, d'emprisonnement cérébral en accueillant plus de joie, plus de légèreté d'enfant. Voilà avec l'oracle G. Est-ce qu'il y a un autre message avec l'oracle G pour envoyer une carte qui est sortie? L'homme. La maturité. La maturité émotionnelle. Ça me parle aussi de cette capacité de vous prendre par la main, de vous encourager à être capable de sortir d'une situation. Voilà. Et ici, on a encore l'énergie du 12 avec le 48. Donc, il me parle de lâcher prise sur une situation. Vous voyez ? 9, 10, 11, 12. Vous voyez sur ça. La capacité énergétique d'avoir suffisamment de maturité, de conscience émotionnelle, de bonne volonté. Mais c'est aussi la force. C'est quoi le masculin ? C'est pas juste... d'être fort et hyper... C'est aussi d'avoir suffisamment d'aisance pour se remettre en question et voir quand là, on déconne, quoi. Quand on s'éloigne aussi d'un axe. C'est à vous de choisir, en fait, à un moment donné. Si vous voulez nourrir ça ou si vous souhaitez nourrir quelque chose d'autre. Voilà. En tout cas, vous avez cette capacité. Et je pense que vous allez en prendre conscience, en fait, de tout ça, pour ce mois d'août. Voilà, avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les portes de l'intuition pour les signes du Verseau ? Hein ? Elle s'est retournée ou pas ? Non, je croyais. J'y ai cru. Alors, avec les portes de l'intuition, por favor. Non, il n'y a pas. Ah. La famille. Ça nous parle de famille ici. Appuyez-vous sur vos acquis. Ah, il y a un train. La famille qui dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Que c'est ça qui va vous aider. L'abondance sous le paquet. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, les très chers amis du signe du Verseau. Allez, un petit dernier message avec l'oracle des anges gardiens. C'est un message complémentaire. Hop, amour. L'amour qui est sorti d'où ? Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Oui, je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'avais dit. Les cartes vous l'ont dit. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Waouh, magnifique. Ah bah dis donc, message très fort. Et bénédiction sous le paquet. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est pas la haine, c'est pas la peur. C'est pas la domination, c'est l'amour. Et c'est pas le mental, c'est l'amour. Donc, brancher le mental sur le cœur. L'invitation. Je rigole, hein, mais c'est... Prenez-le de manière humoristique, hein, c'est vraiment... Voilà. Alors, bénédiction est sous le paquet, allez, je vous la lis. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique.
accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Yeah! Congratulations! Donc en fait, même si vous allez vous apercevoir d'un schéma comme ça, vous allez avoir les capacités, en tout cas les énergies, l'opportunité de pouvoir faire la paix avec tout ça et d'accueillir les bénédictions et l'amour dans votre cœur. L'amour, l'amour! Bon voilà. Mais écoutez, très chers amis du Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu, guidé, apporté good vibes pour ce mois d'août. Et je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les vidéos mensuelles que je propose et les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Et voilà, et pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé, je vous invite à me contacter dans la description. Vous avez accès à mon adresse mail. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui le sont et bon mois d'août aussi pour ceux qui travaillent ou qui sont en activité. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.